La célébration de la Journée internationale de la jeune fille a été marquée dans la région de Diffa avec à l'affiche une série de prestations artistiques et culturelles organisées par la Direction régionale de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant en collaboration avec Plan International Niger afin de susciter une large mobilisation des uns et des autres autour de cette journée placée cette année sous le thème « Autonomisation des filles, réponse aux urgences et de la planification de la résilience ». En effet, dans la série d'allocutions prononcées à cette occasion, outre celle du chef de base de Plan International Niger, qui a en cette heureuse circonstance réitéré l'engagement de son institution à poursuivre ses efforts aux côtés de l'État nigérien dans la recherche de l'autonomisation des filles, l'on retiendra également celle du gouverneur de la région de Diffa, M. Dandano Mahamal Lawali, qui a tenu à préciser que la présente manifestation a pour but de soutenir l'amélioration des perspectives d'avenir laissées aux jeunes filles et de sensibiliser l'opinion aux inégalités dont elles souffrent à travers le monde en raison de leur sexe. Ces inégalités, a-t-il souligné, concernent l'accès à l'éducation, la nutrition, les droits juridiques, les soins médicaux, la protection contre la discrimination, la violence et le mariage précoce. Dandano Mahamal Lawali, qui devait par la suite s'apesantir sur les opportunités qu'offre désormais cette journée, n'a pas manqué de rappeler les différentes contraintes liées aux jeunes filles au niveau de la région de Diffa, en proie à un climat d'insécurité depuis 2015. Cela a augmenté le nombre des personnes vulnérables. Parmi ces dernières, les jeunes filles, en plus de vivre des souffrances collectives, comme tout un chacun, celles-ci subissent également d'autres formes de violence de nature sexuelle, physique, psychologique ou émotionnelle. Cette situation viole leurs droits et les expose à des conséquences néfastes pour leur développement. Pour finir, Dandano Mahamal Lawali a formulé le vœu de voir une prise de conscience collective et plus d'engagement des uns et des autres pour une autonomisation des filles dans la région de Diffa. La remise des prix aux meilleurs élèves filles des établissements secondaires de la ville de Diffa a marqué la fin de cette manifestation qui a été aussi agrémentée par un plaidoyer des filles sur le respect de leurs droits.